maman qui a fait quoi. C'est malheureusement ce que Judas avait fait. On ne doit pas imiter à Judas. C'est très dangereux. D'abord, dans la communauté, d'abord, Judas était appelé par Jésus pour qu'il soit apôtre. Il est parmi un des 12 apôtres, appelé par Jésus. Suis-moi. Les autres, les 7 autres qui suivent Jésus, hors de 12, ne sont pas appelés par Jésus. Parce que si vous voulez les suivre, ils amènent, ils ne chassent jamais ensemble. Ils sont à peu près 120 personnes. Acte des apôtres, chapitre 1, verset 20. Donc, maintenant, voici Judas. Jésus est le supérieur de la communauté. C'est le Judas qui Jésus a donné l'autorité d'être l'économe, c'est lui l'économe de la communauté. Mais il ne croyait pas. Le message ici, c'est que quelqu'un peut vivre dans le tabernacle et mort et pas dans l'enfer. Judas vit avec Jésus 3 ans, il a vu cet homme, il veut une voiture, mais il ne croyait pas. Il n'aime pas Jésus, il ne le respecte jamais, parce qu'il est émané. Tous les enseignements de Jésus marchent contre sa vie. Il vole l'argent, il vole l'argent. Si on lit Jean chapitre 12, à partir du verset 1, vous allez voir, le Saint-Écriture dit qu'il est émané. Également, le bus, l'argent de la communauté, et il bouffe l'argent. Pour cela, il ne peut pas vivre, on ne peut pas voir deux choses. Le cœur. Si le cœur est déjà occupé par le diable, l'esprit ne peut pas être là-bas. C'est pourquoi je dis, tout ce que Jésus est en train de dire, ce n'est pas pour lui. Et il vivait comme ça. Jésus regardait. Et il a vu maintenant que les gens, les anciens du peuple, les grands prêtres et les prêtres et les hommes politiques, les militaires, Jésus a parlé contre tout. Ils avaient dit la vérité contre tout. Maintenant, ils sont unis, son ennemi, ils sont en train de chercher comment ils vont le tuer. Ils sont en train de mettre les pièges, ça n'a pas marché. Tous les pièges qu'ils ont mis n'ont pas marché. Maintenant, il fallait l'arrêter. Judas savait qu'ils sont en train de chercher maintenant, ils ont la soif pour tuer Jésus à tout prix. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé, c'est lui qui est parti le demander. Parce que maintenant, Jésus se cache avec ses groupes. Seulement c'est des pour que ça va vivre. Il est. Il peut être en train de prêcher maintenant ici. À la foule, le soir, ils vont partir, soit de l'autre côté, pour aller dans une autre ville, pour aller passer la nuit là-bas. C'est seulement des disciples qui savent la nuit, on va aller là-bas, on va aller ici. C'est eux-mêmes. Les autres ne savent pas. Et ces ennemis ont peur. Ils ne peuvent pas aller à la tête au temple. Ils ont peur de la congrégation. Si vous venez à l'église des autres, devant les gens, ils vont te tuer là-bas. Les juifs ne s'amusent pas. Et ils ne peuvent pas aller à la foule. Quand ils sont en train de prêcher dehors, devant des milliers de personnes qui viennent écouter Jésus. Ils ne peuvent pas aller les toucher là-bas. Ils ont peur de la foule. Ils vont aller là, de quelque part. C'est ça, Judas s'aventure. C'est pris la petite année. Il se découvre, je sais avec cet homme. Si vous me donnez l'argent, je vais vous aider. Même pour une détonner. On lui a demandé pardon, on lui a dit que 30 000 pièces, il a dit oui, ça va, il a pris. Il a commencé à trouver ce qu'il va faire. Mais ce qui est très grave, c'est le jour de Jésus saint. Jésus a institué deux sacrements, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement d'ordre, l'ordination de prêtre. Le jeudi saint, le même soir, Jésus, après avoir instruit le sacrement d'Eucharistie, Jésus a instruit aussi le sacrement d'ordre. Et là, on donnait les 12 apôtres, diacres, prêtres, évêques. Donc, Judas était évêque. Il était évêque. Mais il n'a pas travaillé, pas même un jour, comme évêque. Il n'a pas fait le travail comme un jour. Parce que maintenant, il est pressé. Parce que le temps qu'il a, le temps de rendez-vous qu'il a avec ces gens-là, il faut qu'on finisse vite. Parce que c'est lui qui va aller à venir très loin. Il sait qu'après ici, on va aller à Gethsemane. Donc, il savait qu'il va aller marcher avec ces gens-là. Il était pressé, c'est qu'il était pressé. Il voulait une pression qui va aller
Donc, depuis la fin de l'homme, la chaîne était arrêtée. Et après, oui, 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 évêque, oui, c'est fini. Fais vite, fais vite, fais vite. Donc, on a la fin. Il est parti par le passé, genre, pour les amener. Je sais que maintenant, c'est ma vie, je vais la faire. On a fait la fin. Imagine, c'est dit, je vais vous montrer. Je vais le faire ainsi pour montrer ce que c'est. Je vais le servir là. C'est comme ça qu'il a trahi. C'est terrible. Donc, vous voyez cette image. Mais ce que Jésus a dit de Judas, c'est différent. Parce que Jésus est un homme de miséricorde. Mais sur la croix, Luc chapitre 23, verset 33 à 34, il a dit Dieu, mon Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut. Mais Dieu, Judas, il a dit le fils de l'homme va passer. Comment s'écrit de lui? Mais, c'est mieux, malheureux à celui par qui le fils de l'homme sera trahi. C'est la mieux pour cette personne qui n'était pas né, qui n'existait jamais. C'était mieux. Donc c'est très grave. Maintenant, quand il a bien fini, comme il a dit que quand il s'est dit de jouer Jésus comme le ballon, on s'est manqué de lui, on a si faible. C'est comme quelqu'un qui a été abandonné par tout le monde. Même son père, selon son père aussi. À Gethsemane, Matthieu chapitre 26, verset 36 à 46, Jésus avait prié. Dans cet acte, il faut, dans cet événement, il faut regarder la vie de Jésus. Il faut apprendre ce que Jésus nous a enseigné, la vie de Jésus en pratique. L'imitation de Jésus. Jésus est notre modèle. Donc Jésus a demandé à son père, pourquoi tu dois passer tout ça? Vous pouvez faire ça autrement. Moi, je ne veux pas voir cette chose. Mais ce n'est pas quoi je veux comme vous. La volonté de Père, vous allez voir ça. Je ne veux pas que tu caches ça, que tu dois te cacher de ces gens-là, de ces ici, tu te caches ici. Demain, vous allez dire, on va aller cacher là-bas après ça. Non, 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 je ne veux pas ça. Il faut seulement s'appeler. Il faut sortir, qu'il fasse ce qu'il veut faire. Qu'il finit comme il finit là. Moi, je veux commencer la prise, le point de leur finition pour le montrer. C'est moi le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la ciel et de la terre. Il va me connaître. Donc c'est comme ça. Jésus passait, Jésus a suivi pour qu'il a supporté tout. C'est voir que cette loi, il n'est pas plus égale à la. On s'est moqué de lui, on l'a effectué là, tu l'as fait. Les disciples sont fuyés à la main. Il a marché jusqu'au bout. Donc il faut apprendre beaucoup de choses de sa vie. Le moment difficile. Il faut commencer à parler mal de Dieu, de tout ça. Il faut prier, après avoir prié, il faut laisser Dieu. Que ta volonté soit faite, déjà sauf ta volonté. Jésus nous a enseigné tout. Jean chapitre 4, verset 34 à 35, il dit toujours. Ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père qui m'a envoyé. C'est ma nourriture. Il faisait ça en pratique, on a vu ça. Il a accepté tout. Il est mort. Mais il va ressusciter le troisième jour. Le troisième jour, le Père va dire, vous avez fini, oui, je vais commencer ici. Mon fils, lève-toi, donc le mort. Tu ne mourrais jamais, tu ne souffrirais jamais. Tu ne vas plus connaître la maladie, c'est fini. Votre corps maintenant, c'est le corps spirituel, c'est le corps matériel. Donc c'est fini, c'est comme ça. Pierre avait dit Jésus, si, oui, parce que, pourquoi? Parce que cet homme-là, il n'a pas encore les disciples saints. Les disciples disaient, je vais voler avec toi, tu ne peux pas, vous ne pouvez pas faire ça sans l'Esprit Saint, la puissance de l'Esprit Saint. C'est pourquoi il a dit Jésus trois fois. Mais il a demandé pardon. Judas n'a pas appris comment demander pardon, il n'a pas appris ça. Dès qu'il a vu ce qui s'est passé, il est parti se pendre, il s'est tué. C'est très grave ce qu'il avait fait. Donc, nous-mêmes, on continue d'apprendre. Jésus va confirmer la foi de ses disciples avec sa résurrection. Comme il va ressusciter entre les morts, avec le corps spirituel, il va continuer de s'appeler à ses disciples durant pendant 40 jours. Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 3. Jésus doit apparaître à ses disciples pendant 40 jours.
Le Judas s'enseigne et va confirmer tout. Le Judas s'enseigne, Luc chapitre 24, verset 54 à 53, Jésus va amener ses disciples dans la ville de Béthanie. Après les apôtres, chapitre 1, verset 6 à 11, c'est la même chose. Après, il va dire une dernière chose. Après, il va dire, vous avez vu ma vie, comment j'ai vécu. La mort, ce n'est pas la fin de la vie. La vraie vie commence après la mort. La vie que nous vivons maintenant, c'est la vie temporaire. Après la mort, la vie permanente commence. La vie spirituelle, le corps spirituel, le corps glorieux. Nous aurons l'âme, l'esprit et le corps spirituel. Ce n'est pas matériel. C'est ça que Jésus a montré à ses disciples. Le jour de l'ascension, après ces années, vous avez vu tout, que la mort n'est pas la fin de la vie. Il faut aller vivre comme moi. Soit mes témoins au monde entier. Moi, je parle aussi au ciel maintenant, là où vous allez me rencontrer dans votre temps. Il faut vivre comme moi. Il s'est levé. Waouh! On a vu, c'est bien de toucher la terre. On a dit, qu'est-ce qui se passe avec Jésus? C'est bien de toucher la terre. Waouh! Il a monté. C'est tout. Waouh! C'est quoi? Jésus était quelqu'un. Ce n'est pas un saint. C'est quelqu'un qui vivait dans ce monde. Ça fait 2017 aujourd'hui qu'il est vivant dans le monde. Il était quelqu'un de l'être humain. Et il était tué. Et il était mort. Il était mort. Mais il était ressuscité. C'est ça. Il est ressuscité de la mort. Il est puissant de sa mort. Il est monté au ciel. Ça, c'est le centre de notre foi. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est tout ça. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous aide à vivre dans la foi pour que nous puissions tenir avec lui un jour à la vie éternelle. Amen. Amen. Amen.